Aujourd'hui, la Sodapem, c'est 140 personnes pour un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros. L'activité principale de la société consiste à usiner et assembler des ensembles mécaniques pour l'industrie aéronautique. Les problématiques consistaient en un manque de vision au niveau de la performance de l'atelier. On ne savait pas si le taux de rendement était correct ou pas chaque soir. De plus, on avait un problème de flux et de planification d'atelier qui nous permettait pas d'avoir une vision claire de l'avancement des affaires au poste. Donc le projet global a duré 4 mois. C'était composé dans un premier temps d'une partie diagnostic, puis des actions avec des consultants. Donc à chaque problématique, OPO a un consultant qui peut répondre aux problématiques d'entreprise. Donc ce que nous a apporté concrètement la société OPO, c'était une amélioration significative de notre taux de service client en termes de livraison, et une diminution significative de notre temps de traversée au niveau des ateliers. Ce que les consultants nous ont apporté, c'est vraiment aussi bien la formation feedback pour faire des retours à nos managers. Alors au niveau de la mise en place de l'excellence opérationnelle dans notre entreprise, ça a été vraiment un changement de culture profond, aussi bien pour les opérateurs que pour mes managers. Et le retour qu'on peut faire des managers, c'est une progression en termes de management, puisqu'on manage aujourd'hui par la performance. Aujourd'hui, on a mis sous contrôle plusieurs zones de l'entreprise, sous excellence opérationnelle, et ça nous permet d'avoir la performance de l'entreprise et de pouvoir interagir sur les zones problématiques, avec surtout des plans d'action qui sont suivis et structurés. Ça, c'est vraiment la petite touche supplémentaire d'OPO. Alors après un an en fait de mise en place de l'excellence opérationnelle, aujourd'hui, l'ensemble de nos briefings ont toujours lieu. C'est quelque chose qui a perduré et qui est maintenant dans les mœurs de la société et qui va être déployé à l'ensemble du groupe. OPO a permis de placer les managers en position de piloter durablement la performance à chaque étage de l'entreprise.